C'est un grand privilège en tant que Premier ministre britannique d'être présent aujourd'hui dans cette superbe usine pour découvrir ces magnifiques nouvelles voitures. L'engagement de Nissan pour une mobilité verte est plus fort que jamais. Au cours de l'année dernière, le nombre de concessionnaires vendant la Leaf en Europe est passé de moins de 200 à 1400. Ce qui est intéressant et prometteur, ce sont les investissements réalisés dans les produits et technologies de demain. Je pense qu'il est essentiel que ces efforts soient consentis dans des industries comme ici, chez Nissan. Nous sommes parvenus à intégrer un véhicule électrique sur la même ligne que notre célèbre voiture, la Qashqai. Ces deux voitures, qu'elles soient essence, diesel ou un moteur électrique, sont dès à présent construites ensemble et à partir de la même ligne de production. C'est ce qui s'appelle une innovation Nissan mise en pratique. Cela démontre notre engagement et notre forte envie d'investir en Europe. Nous créons, développons et fabriquons des voitures. 80% de celles que nous vendons en Europe sont aussi construites en Europe. Nous sommes impatients d'introduire ces voitures chez nos concessionnaires. Ainsi, le consommateur européen pourra non seulement découvrir le plaisir de conduire une voiture électrique, mais également épargner de l'argent en ne se rendant plus à la station-service.